j'arrête mon partage d'écran. En fait, le but, moi, c'est pas de trouver ce soir le remède de tous les Covid longs, parce que si je l'avais, ben, je vous le dirais, et je serais peut-être prix Nobel de médecine, et ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire, d'essayer de regrouper toutes les associations, les médecins, les acteurs de santé, en France et maintenant en Belgique, puisque j'ai appris qu'il y avait un médecin belge et peut-être d'autres acteurs et d'autres malades, des associations de malades, qui permettraient en fait de nous regrouper pour pouvoir essayer de trouver ensemble comment essayer d'aider au plus nos malades qui souffrent, parce que moi j'en vois pas trop parce que je suis gastro-entérologue, donc je n'ai pas que ça, en fait je ne vois pas que ça, mais je sais que certains médecins voient exclusivement que ça maintenant, certains, je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs, ils seront peut-être plus à même que moi de parler du Covid long d'ailleurs, parce qu'ils sont beaucoup plus spécialistes que moi, et moi je vois que des formes digestives, j'en ai vu en forme à l'hôpital, des insuffisances surrénales, tout ça, mais ce n'est pas ma spécialité principale. Donc mon but à moi, c'était de regrouper les acteurs de santé, les malades, les associations de malades, et de faire un maillage français et éventuellement belge, puisqu'il y a maintenant des... Bon, on va peut-être demander s'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit avant, déjà, et y a-t-il des questions ? Non. Donc, on va... Il y a aussi d'autres professionnels de santé. On va peut-être proposer à Marc Ouatelet de nous faire un peu le point sur ce qu'il a observé en Belgique. Voilà, bonjour. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Nous faire un petit peu état de vos observations. Oui, donc, je vais juste brièvement me présenter. Donc, je suis un docteur en sciences, en biologie moléculaire. J'ai fait ma carrière au départ en Belgique et puis j'ai été passé 25 ans aux États-Unis où je dirigeais un groupe de recherche sur les... on a travaillé pendant une douzaine d'années sur les coronavirus humains, en particulier le SARS-CoV, celui qui était responsable de l'épidémie de 2002-2003. Et donc, depuis, je suis revenu en Belgique. Et quand la pandémie a commencé au début de 2020, ben, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, bien sûr. Et puis, je me suis rendu compte que les autorités belges, comme malheureusement les autorités françaises aussi, géraient très, très mal ce qui nous arrivait. Donc, j'ai essayé de les alerter au tout début. Et bon, je n'ai pas été écouté, bien sûr. Et donc, tout au long de la pandémie, j'ai essayer de donner une voix à la science et à la raison en leur expliquant que ben il faut suivre les règles élémentaires de contrôle d'une épidémie, que ce qu'on refuse à faire. Et maintenant, je leur avais prédit une deuxième vague s'ils ne mettaient pas en place les mesures nécessaires en septembre. Et bien sûr, on a pris une deuxième vague. Et donc maintenant que la troisième se profile, bien sûr, je suis la littérature de très près. Et ça faisait un moment que j'avais un œil sur l'ivermectine. Et donc, j'ai commencé à promouvoir l'ivermectine parce que mon analyse des résultats des différents essais cliniques pour lesquels les résultats étaient disponibles m'indiquait très clairement que cette molécule, comparée à toutes les autres molécules qui sont disponibles, était celle qui avait le profil le plus favorable. C'est une molécule très sûre. Et bien sûr, chacune des études pour lesquels les résultats sont disponibles jusqu'à présent, si on les prend en isolation, bien on peut les critiquer, elles sont faibles, le nombre de patients est relativement modéré, etc., etc. Mais bien sûr, on peut aussi faire une méta-analyse de ces différentes études et voir s'il est possible d'extraire une information sur laquelle on peut compter. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont fait des méta-analyses. Et dernièrement, Andrew Hill, il vient de l'université de Liverpool en Angleterre et c'est un docteur qui avait été commissionné par l'OMS à l'époque pour faire les méta-analyses des traitements du VIH, du SIDA. Et cette fois-ci, encore une fois, l'OMS, via sa branche United et le programme ACT, lui a demandé de faire une méta-analyse de l'ivermectine.
Et donc, il a publié une vidéo il y a, je ne sais plus, il y a une dizaine de jours, où il communique les résultats préliminaires de son analyse et il arrive à la conclusion qu'effectivement, l'ivermectin est, de manière, on pourrait presque dire surprenante, vraiment active à tous les stades où elle a été utilisée. Donc, d'abord, de manière préventive, ce qui pour moi est très important parce qu'en réalité, si une molécule fonctionne de manière préventive et elle a un profil de sécurité comme celui de l'ivermectin, eh bien, ça veut dire qu'il est possible en fait, d'arrêter l'épidémie. Il suffit que tout le monde prenne de l'ivermectin pendant une brève période de temps et le virus va être instantanément éradiqué. Et alors, ça peut paraître fou comme déclaration, mais si on fait le calcul, au niveau épidémiologique, c'est assez garanti. Bien sûr, on n'obtiendra jamais que ce soit fait de cette manière-là. Donc, en prophylaxie, toutes les études montrent que c'est très efficace. Pour les formes modérées et pour les formes sévères, on voit 83% de diminution de la mortalité. Donc, formes modérées, formes sévères, les contacts des personnes symptomatiques, toutes ces personnes-là, si elles reçoivent de l'ivermectin, elles vont beaucoup, beaucoup mieux qu'autrement. Et donc, on aimerait bien sûr, des chiffres plus grands. Il y a encore 3 études pour lesquelles on va obtenir les résultats d'ici la fin du mois. Et à ce moment-là, on arrivera à un chiffre de patients traités suffisamment grand pour que le Dr Hill puisse tirer la conclusion de son étude. Et en principe, l'OMS devrait, à ce moment-là, changer sa position sur l'ivermectin. Donc, bon, j'étais un peu vite, mais ça me paraît un médicament extrêmement prometteur. Et vraiment le meilleur qui est sur le marché. Alors, les gens continuent à mourir de cette maladie. Il y a un médicament qui n'a essentiellement pas d'effet secondaire chez les personnes qui ne souffrent pas de parasitose. Pourquoi ne pas l'utiliser? C'est vraiment de là que je viens. Alors, je pense que Guy, Stéphane et Christophe Brett seront de mon avis. Claude ne peut pas être présent ce soir parce qu'il est retenu sur une autre conférence qui rassemble des médecins sur les traitements ambulatoires précoces. Mais je pense qu'il serait intéressant de faire entrer Marc Ouattelet dans la boucle de travail dans laquelle nous sommes tous sur l'intérêt des traitements précoces. Parce que déjà, ça ouvre les frontières et il y a actuellement dans cette boucle de travail justement une grosse réflexion qui est mise en place sur l'intérêt de l'ivermectine et certains médecins français qui l'utilisent aussi pourraient venir ajouter leurs résultats à ceux que vous venez de dénoncer, Marc. Et je pense que là aussi, la collaboration entre la France et la Belgique pourra apporter une mise en avant de ce type de traitement. Effectivement, des traitements anciens, des traitements peu chers, qui ne plaisent pas trop à l'industrie pharmaceutique et qui pourtant auraient pu nous éviter beaucoup de morts. Puisqu'on a comme ça, que ce soit en phase Covid ou en phase Covid long, des retours positifs sur l'ivermectine et aussi à nouveau sur l'utilisation du plaquenil qui a fait tant de bruit, mais qui donne de bons résultats aussi chez les malades en Covid long. Donc, Christophe, peut-être qu'on va te charger de présenter Marc dans la boucle des médecins Asie et TAP. Je t'enverrai les coordonnées de Marc Ouattelet, si tu veux bien. J'ai une question pour Marc. Est-ce que ce traitement a été essayé chez le Covid long? Parce que là, on est dans le thème Covid long. Donc, il y a une… Oui, ah bon. Donc, il y a une publication que je mettrai dans le groupe d'email sur des patients, je ne sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud, où il y a une étude avec un nombre relativement restreint de patients.
336, si mon souvenir est bon, et pour lesquels il voyait donc la manière dont on procédait, c'est qu'il donnait pendant deux jours 0,2 mg par kilo d'ivermectine. S'il n'y avait pas d'amélioration, il faisait deux jours de plus à 0,4 mg par kilo d'ivermectine. Et donc, quand ils avaient fini leur protocole, ils avaient 94% des patients qui avaient été aidés par le traitement par l'ivermectine et donc 6% qui n'avaient pas été aidés. Alors moi, je suis sur plusieurs groupes Facebook de patients COVID long. Et donc, il y a une personne qui a essayé l'ivermectine pour qui ça n'a pas eu un effet positif. Et toutes les autres personnes pour lesquelles j'ai eu un retour ont eu un effet. Bon, c'est difficile pour moi de donc, c'est, bien sûr, il y a une gamme. Pour certains, c'était le jour et la nuit, tout à coup, c'était fini pour eux le COVID long. Et pour d'autres, les symptômes étaient atténués à des degrés divers, entre un peu jusqu'à beaucoup, jusqu'à vraiment, vraiment très fort. Donc, il y a cette étude, je l'enverrai par email. Et donc, avec des résultats comme ça, moi, je me dis, pourquoi ne pas essayer? Donc, bien sûr, il y aura des patients qui ne vont pas répondre. La manière dont je regarde au COVID long, pour moi, en tant que... Donc, on m'a présenté comme virologue. J'ai fait toute ma carrière sur l'interaction entre le virus et la réponse immunitaire innée. Donc, la première réponse, l'effet antiviral induit par l'interféron, etc. Et donc, quand je lisais la description par les différents patients des symptômes et le fait que ça leur venait en vague, typiquement hebdomadaire, pour moi, ça évoquait que le virus persiste chez ces gens-là, et puis il se déplace dans le corps, il y a une réponse immunitaire innée locale qui finit par contrôler le virus, et le virus va un peu plus loin, il recommence un cycle d'infection, et puis ça recommence. Et donc, c'est exactement ce que ressentent les victimes de COVID long, c'est ce que je ressens à chaque poussée, et notamment après les efforts. Mais quand on parle d'efforts, ils peuvent être minimes et on sent cette flambée et ce retour viral et qui va se manifester une fois sur les articulations, une fois sous une forme cutanée. Et, c'est vraiment le ressenti des malades, effectivement. Et donc j'avais deux hypothèses à la base. L'une, une partie des patients, le virus est donc toujours présent et actif, et puis l'autre, où le virus a peut-être complètement disparu de manière active, mais, et donc ça rejoint le syndrome, le SRAMA, hein, donc d'activation mastocytaire, où, parce que, par exemple, ils ont fait des anticorps auto-immuns, ils ont une inflammation qui persiste. Voilà. Et donc ça, c'était mes deux hypothèses de départ. Alors, depuis, il y a des publications qui sont venues, qui décrivent chez les patients après 3 mois, dans les deux cas, dans un des papiers, c'était une perte de goût et d'odorat, et dans l'autre, c'était une persistance de symptômes intestinaux. Et donc, ils ont pu détecter le virus dans le cas de l'épithélium olfactif. Pour ceux qui avaient perdu le goût et l'odorat, ils pouvaient détecter un virus actif. Et je ne sais plus le chiffre exact, mais c'était la majorité des patients qu'ils ont regardés, ou presque tous, pratiquement, je crois. Tandis que quand ils ont regardé pour les patients où il y avait une persistance de symptômes intestinaux, ils ont fait une biopsie du côlon et ils ont découvert le virus dans 7 patients sur 14. Alors, donc, ça dit déjà 50% pour ceux qui ont des patients chez qui le virus persiste dans les intestins, mais les sept chez qui on n'a pas détecté le virus, il faut bien voir que soit on n'a pas fait la biopsie au bon endroit, parce que bien sûr, tout le monde n'est pas contaminé, soit le virus persiste ailleurs. Donc ça ne veut pas dire qu'on a 50% qui n'a pas trouvé le virus, que c'est 50% où le virus n'est pas. Bien sûr. Et donc, j'ai l'impression que, quand je prends toutes les données ensemble, que chez la plupart, mais pas chez tous les patients, le virus persiste. Et que donc, puisque le virus persiste, et que l'inflammation qui résulte de cette réplication donne ensuite les symptômes,
que bien sûr, l'ivermectine va aider parce qu'elle est antivirale. Toutes les études où on a regardé le virus, on montre que c'est antiviral. C'est clairement une molécule avec d'énormes propriétés anti-inflammatoires parce que, à savoir que pour la cécité des rivières, il y avait toutes sortes d'autres vermifuges qui étaient essayés avant et les personnes qui avaient un point où ils pouvaient en mourir. Et que, justement, quand la vermifuge est arrivée, elle ne visait pas une réponse à peine interrompue. Justement, elle a une activité anti-inflammatoire qui a depuis été démontrée in vitro sur les différents patients d'inflammation. Donc, a priori, moi, je dirais oui, bien sûr, il faut essayer l'ivermectine chez les Covid longs. Et maintenant, il y a ces études que j'ai citées qui montrent que presque tous les patients sont au moins aidés par l'ivermectine. Une petite fraction n'est pas aidée, et ça, c'est malheureux. Donc, pour eux, il faut des antihistaminiques, si c'est l'hypothèse du SAMA, qui peuvent être essayés. Mais moi, si j'étais médecin, j'avais des patients Covid longs, mais avec tout, j'essaierai au moins une fois l'ivermectine pour voir comment ils répondent. C'est intéressant, si je puis intervenir de façon très simple. Donc, on est bien d'accord, pour ceux qui ne connaissent pas bien peut-être ici ce soir l'ivermectine, c'est un antiparasitaire et on l'utilise aussi pour lutter contre la gale. Je ne dis pas de bêtises. Non, non, c'est juste, c'est juste. Donc, ceci signifie donc que la charge virale persisterait au niveau du microbiote intestinal. Non, pas au niveau du microbiote. Non. Il peut persister dans les cellules épithéliales. D'accord. Qui tapissent la cavité intestinale. D'accord. Et c'était le cas avec le virus SARS-CoV-1 maintenant, donc celui de l'épidémie de 2002. Donc, quand les gens faisaient justement une diarrhée, la quantité de virus qui est produite est énorme parce qu'il y a la capacité bien plus grande que celle des poumons. D'accord, merci. Si je peux prendre la parole deux secondes, puisque bonsoir à tous déjà, bonsoir. Je suis arrivé avec des problèmes de connexion. Je voulais juste rajouter, puisque Claude n'est pas là ce soir, pour dire que la forme chimique de l'ivermectine est proche des macrolides, c'est-à-dire oui. qu'ils ont une forme, je ne sais plus comment, mais à quelques molécules près, hydrogène, CH3, c'est la même famille de molécules. Et je pense qu'ils peuvent être un complément continu dans le traitement, que ce soit en aigu ou en chronique, c'est-à-dire des Covid longs ou des Covid aigus, dans le sens où les personnes qui ne présenteraient pas de symptômes pulmonaires ou digestifs, mais qui auraient une PCR positive avec des petits symptômes grippe ou Covid, pourraient éventuellement être mis sous ce traitement ivermectine. Et ensuite, si des symptômes respiratoires apparaissaient, on pourrait prendre le relais avec les macrolides, notamment pour éviter la co-infection avec les mycoplasmes et autres germes intracellulaires. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et bravo à tous. Voilà, c'est tout. Alors, on devait avoir le témoignage de Tommaso, qui est un de nos adhérents belges et qui est donc Covid long, et qui a pu reprendre ses activités d'abord personnelles puis professionnelles via une prise en charge sous ivermectine. Il s'excuse, mais il n'arrive absolument pas à se connecter sur Zoom, mais c'est vrai que chaque jour, il me relate ses progrès. Donc, il le fait par cure, il est à sa deuxième cure, il va entamer la semaine prochaine sa troisième cure et il voit des progrès spectaculaires. Et il a voulu tester avant parce que son épouse et ses deux enfants ont tous les trois aussi été malades Covid et sont Covid long. Et son épouse et ses enfants commencent leur première cure là, puisque apparemment ce traitement peut être donné même aux enfants. Bien. Vous me reprenez, docteur Gaillet, si je dis des bêtises. Non, c'est juste. Il peut être donné aux enfants, puisque
C'est un traitement aussi de Toxocara canis, d'après ce je crois, puisque quand on attrape le parasite du chien, on peut le donner aussi. Hein, je crois que tu le confirmes, Stéphane. Oui, oui. Et c'est le traitement numéro un de la gale. Hein. L'ivermectine, commercialisée sous le nom de Stromectol, a révolutionné le traitement de la gale. Avant que l'on ne l'utilise, mais c'est un antiparasitaire ancien, puisque, comme ça a été dit, il est utilisé dans des parasitoses tropicales, l'oncocercose, etc. Avant qu'on ne le repositionne dans la gale, vous vous souvenez, il fallait se badigeonner, c'était fastidieux, et en plus, sans garantie de résultat, alors que depuis qu'on a l'ivermectine, le traitement de la gale est transformé, et son pronostic aussi, oui, oui. C'est tout à fait juste. Alors, est-ce que le fait qu'il y ait des virus dans la paroi digestive, puisque ça a été prouvé maintenant, on le sait, au moins sur 7 malades sur 14, la moitié, là, comme a dit Dr Vatelet, fait qu'en fait, il serait peut-être associé à un parasite? J'ai mis une hypothèse. Ou c'est le fait du produit lui-même? Bah, il semblerait que l'ivermectine ait une activité antivirale intrinsèque, d'après ce que j'ai compris. Mais... D'accord. Donc, il n'y a pas de parasite dans l'histoire, en fait. Il y avait eu une histoire de potentielle déparasitose avec l'ivermectine pour des parasites cachés qui vivraient en chronique chez certaines personnes. Ce qu'on fait en digestif, on le fait quand il y a parfois des traitements corticoïdes, mais on ne sait même pas trop ce qu'on traite. Alors, est-ce qu'on traitait vraiment des parasites ou non? On ne sait pas. Tout à l'heure, la paroi endothéliale a été évoquée par le docteur Wallet. Je ne me trompe pas, je ne dis pas bêtise. Oui, pardon. Oui, donc il a précisé que ça ne se situe pas vraiment dans l'intestin, mais sur la paroi intestinale. C'est bien ça ou j'ai mal compris? Oui, elle s'appelle les cellules épithéliales. L'endothélium, en fait. Oui. Endothéliale, c'est les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins. Oui, donc c'est épithélium. D'accord. Épithélium, oui. Merci. Bon, mais je pense qu'on a déjà bien avancé sur les traitements qui peuvent aider les malades Covid long. Il y a d'autres prises en charge qui sont nécessaires à mettre en place, telles que la rééducation pulmonaire. Alors, moi, je ne suis pas compétent, mais ce qui est important, c'est que en fait, là, c'est un traitement spécifique qui deviendrait peut-être un traitement spécifique du Covid long. Alors, je pense qu'il faudrait faire une étude. Il y a plusieurs études ouvertes, peut-être pour le confirmer. Je ne sais pas trop. C'est des études contre placebo pour l'instant qui ont été faites, ou c'est des études ouvertes que vous dites, docteur Vatelet? Oui, ce sont des études ouvertes. D'accord. Est-ce qu'il faudrait faire peut-être par l'association, même si je sais que les gens n'aiment pas trop les études contre placebo pour prouver quelque chose, mais je pense qu'on va être amené à peut-être le faire un jour ou l'autre, parce que si on veut prouver quelque chose, le faire que des études ouvertes, c'est un peu compliqué, quoi. Même je sais qu'on n'est pas très friand dans les associations de faire des études contre placebo, mais... quitte à faire un bras placebo et après le rattraper comme on fait d'habitude dans les oui. doubles bras, le bras placebo peut tout à fait être rattrapé après. Merci. Quand on voit que l'étude que le traitement est efficace. Oui, tout à fait. Oui, on peut, hein, on peut. D'autant que je te dis, on retrouvera dans les associations ASI-ETAP des médecins qui ont déjà commencé ce type d'études. Donc, peut-être essayer de voir Guy pour… on a eu pas mal de publications depuis 10 jours. Il y a Gérard Modrux. Il y a Gérard Modrux qui a beaucoup… Christophe, tu me dis si je me trompe. Mais il y a Gérard Modrux qui a déjà parlé beaucoup de l'ivermectine. Je ne me trompe pas. Mais c'est dans le… Oui, c'est juste. C'est dans les formes toujours aiguës. Aiguë, pardon. Oui, tout à fait. Ouais. Là, on est en Covid long. C'est pas la même chose, quoi. On n'est pas au même endroit de la maladie. Oui, tout à fait, tu as raison.
Mais bon, on peut le essayer de voir avec eux quand même pour mettre en place. Après, il faut un universitaire ou une étude. Après, la place, c'est pour faire une étude, il faut toujours que ça soit fait suivant. C'est la rigueur d'une étude, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas enrôler des malades en leur disant vous allez prendre. Alors fait, peut-être Guy essayer, je les avais invités, mais apparemment on n'a pas de représentant. Il semblerait que l'IUH, donc il aurait peut-être fallu que ce soit ou le docteur Gaillet ou toi qui essaie de se rapprocher de l'IUH, mais il semblerait qu'il y ait ce type d'étude du rôle de l'ivermectine sur les Covid longs qui se mettent en place au niveau. Alors nous, on peut à ce moment-là être le relais malade. En leur proposant. Tout à fait, tout à fait. Il va falloir reprendre contact et puis mettre ça en place parce que c'est fort intéressant. S'ils font une étude déjà, ça ne sert à rien de refaire une étude. Tout à fait. C'est pour ça que je tiens à demander à des malades s'ils sont d'accord pour être enrôlés dans l'étude conséquence. Quoi. Bah, les malades, au bout de. Les malades qui sont présents, et d'ailleurs Dan présente ses excuses, mais est obligé de retourner se coucher, il est épuisé. Les malades présents sont prêts à tout essayer au bout de mois et de mois de souffrance. Oui, ça, et je confirme, on est vraiment prêt à tout essayer. Bon, peut-être un peu moins le placebo. Je vous avoue qu'on est un peu moins partant pour le placebo, mais bon, il en faudra. Oui, moi, mais après, si l'étude, elle est comme ça, oui.